La faculté de sciences de Rabat organise aujourd'hui la 4e session d'un congrès international sous le patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, sur la thématique des matériaux et de la stabilité des structures pour la construction. Ce congrès réunit plus de 400 chercheurs experts dans la thématique et qui viennent de tous les continents, de plusieurs pays à travers le monde. Aussi, la thématique qu'on a choisie pour cette session, c'est la thématique des matériaux et des procédés durables qui ont un rapport avec l'environnement, qui, est, comme vous le savez, c'est une problématique de grande actualité. Et ça va être 3 jours de débat pour pouvoir trouver les solutions et pouvoir apporter les solutions par rapport aux problématiques et puis pouvoir aussi donner de nouveaux matériaux qui sont des matériaux amis de la nature et qui respectent l'environnement. Cette année, on est à Rabat, au Maroc. On a été très bien accueillis. On a un super programme. On va discuter pendant 3 jours de matériaux de construction, d'environnement, de matériaux à basse contribution au changement climatique et puis aussi d'une nouvelle tendance très intéressante de maisons construites par des robots en impression 3D. Je suis très contente d'être ici à cette congrès à Rabat. C'est bien de réunir beaucoup de gens. C'est aussi partie de les réunions de le RILEM. RILEM, c'est la réunion internationale de laboratoire des essais et matériaux qui réunit les experts sur les matériaux comme ça. Dans ces 2 derniers jours, on a eu pas mal de réunions pour ça, et maintenant on a les congrès avec les gens qui viennent partout dans le monde. Je suis très content d'être ici à Rabat. Je vais présenter les résultats de notre travail dans la dissémination de les ciments LC3 avec l'industrie dans tout le monde. Maintenant, nous sommes en train de disséminer avec l'industrie à l'Afrique, à l'Europe, à l'Amérique latine. C'est notre travail aussi.